Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. En l'an de grâce 1382, le royaume de France est touché par les ravages de la peste, de la guerre de Cent Ans et les troubles intérieurs qui entourent les débuts du règne du jeune Charles VI. Cependant qu'à Liray, en Champagne, un chevalier inaccompli et mélancolique s'en retourne dans son château. C'est en effet dans ce contexte historique profondément bouleversé que Laurent Decaux a choisi de situer l'action de son premier roman, Le Seigneur de Charny, publié aux éditions XO. Jacques de Charny, qui rêvait de s'illustrer au service du roi et de la chrétienté à Jérusalem, voit ses rêves d'illustration chevaleresque douchés à la défaveur d'un naufrage. Mais après 6 ans d'absence, la situation qu'il découvre en son domaine champenois va lui offrir de nouvelles occasions d'affirmer sa vaillance. La ville de Dourdan offre elle aussi l'exemple d'un des plus beaux châteaux médiévaux d'Île-de-France. Marqué du sceau de la dynastie royale des Capétiens, le château de Dourdan passe de château de bois à forteresse de pierre au XIIIe siècle et devient résidence de Jean de Berry, oncle de Charles VI, de 1400 à 1416. Passant de main royale en main royale jusqu'au XVIIe siècle, prison départementale puis demeure privée, il est aujourd'hui le musée de la ville, riche de toute son histoire. Il est maintenant temps pour nous d'aller rejoindre notre invité. Laurent Decaux, bonjour et bienvenue dans l'Essonne en hauteur qui, une fois de plus, a la chance d'accueillir son émission dans un décor extraordinaire. Nous sommes au château de Dourdan. Comme vous le savez, notre émission a un principe en son début, c'est de faire réagir notre invité au lieu nous accueillant. Et je crois que ce lieu est en prise directe avec votre roman. Que vous inspire un tel lieu ? Écoutez, me retrouver au château de Dourdan, ici, dans cette pièce néogothique, c'est assez troublant pour moi, mais c'est pas tout à fait dépaysant, parce que il faut dire que ça fait 6 ou 7 ans que je baigne dans le Moyen-Âge. Mon roman est sorti il y a quelques mois, ça fait 5 ans que je me consacrais à ce sujet. Donc voilà, je suis au cœur du Moyen-Âge depuis 6 ans. Mentalement déjà, voilà, oui. Voilà, tout à fait, et dans ces décors extraordinaires, et d'autant moins des paysans d'ailleurs, que j'ai appris en arrivant ici au château de Dourdan, qu'il a appartenu à Jean de Berry, tout à fait. Qui est l'oncle du roi Charles VI, que j'évoque dans mon roman Le Seigneur de Charny. Absolument. Alors, ce lieu nous plonge donc immédiatement dans le contexte historique de ce roman, et l'autre question que je voulais vous poser avant vraiment de rentrer dans le roman, c'est votre rapport à l'histoire. Parce que je crois que, bon sang, ne sachant mentir, nous n'allons pas révéler un grand secret à nos spectateurs en disant que vous avez de qui tenir. Il me semble que quelqu'un dans votre famille, dont le nom Decaux évoquera beaucoup de nos spectateurs, était lié à l'histoire. Est-ce que votre père, tout le monde aura compris que je parle d'Alain Decaux, vous a transmis une vision particulière de l'histoire, et est-ce que votre goût pour l'histoire, qu'on retrouve donc dans ce premier roman qui est un roman de fait historique, est-ce que votre père a plané là-dessus ? Alors, mon père m'a d'abord transmis, je crois, son goût des livres. Il faut dire qu'il habitait au milieu des livres. Sa bibliothèque contenait peut-être 30 à 40 000 ouvrages. J'ai l'habitude de dire que c'est autant qu'une bibliothèque municipale. Et c'est vraiment le bonheur qu'il avait à vivre au milieu de ces livres qui, je crois, m'a frappé et m'a donné envie, dans ma propre vie, finalement, d'évoluer au milieu de ces livres. Après, son goût de l'histoire, bien évidemment. C'est extraordinaire d'avoir Alain Decaux chez soi. Les enfants, en général, subissent l'histoire par l'école. Bon, je ne devrais pas dire ça, mais enfin, ils voient ça comme quelque chose. Et vous rentrez, il y a Alain Decaux. Nous, on le voyait à la télé. Qu'est-ce que c'est ? Comment on vit à côté d'un tel homme ? Ce qui est amusant, finalement, dans la personne de mon père, ce n'est pas finalement l'historien qui reste à côté de moi encore aujourd'hui. C'est vraiment l'homme privé plutôt que l'homme public. C'était un homme d'une grande sensibilité et j'espère avoir hérité ce tempérament de lui. Après, par ailleurs, évidemment, son talent...
était extraordinaire et je l'ai ressenti dès que j'étais enfant puisqu'il nous racontait un tas d'histoires qui n'étaient pas forcément des histoires inspirées de la grande histoire, de l'histoire avec un grand H, mais souvent des histoires à dormir debout. Ce qui fait vivre la grande histoire, les anecdotes, voilà, les choses comme ça. Bien sûr, et il avait un talent particulier de conteur que les spectateurs ont vécu avec ses nombreuses émissions télévisées, les auditeurs à la radio également, mais moi, je peut témoigner, pour y avoir assisté moi-même, qu'il aurait été capable de construire des grands romans, notamment des romans historiques, parce qu'il avait un vrai goût créatif, un goût pour l'invention. Et peut-être d'ailleurs, à ma manière, j'essaye de faire ce que lui-même aurait pu faire. D'accord. Alors, on va en revenir à vous maintenant, qu'on a eu toute cette explication. Votre roman, finalement, il prend racine dans une matière historique propice au roman, parce qu'on est dans le XIVe siècle, on est dans un Moyen-Âge finissant et surtout dans un Moyen-Âge bouleversé, un moment assez, comment dirais-je, chaotique pour le Royaume de France. Est-ce que vous voulez un peu rappeler quelques grandes données historiques de ce que vit la France au moment où commence votre roman ? Alors c'est vrai qu'on me dit souvent que c'est un roman sur le Moyen-Âge, mais bon, je trouve que c'est faire injure à cette période immense que de la réunir sous une seule appellation. Effectivement, c'est un roman... On n'a pas dit obscur Moyen-Âge. C'est un roman qui se passe dans la période du bas Moyen-Âge, c'est-à-dire voilà, le XIIIe, XIVe siècle, qui, à l'opposé du haut Moyen-Âge, est une époque où la royauté s'affirme et la chevalerie décline. Donc moi, je parle dans mon roman d'une période assez compliquée pour la France, qui est la deuxième partie du XIVe siècle, puisque c'est l'époque de très grands fléaux. Il y a eu la peste noire en 1348, qui a décimé un tiers de la population française à peu près, 6 millions d'habitants pour 18 millions de Français à cette époque, un quart de la population mondiale, rendez-vous compte. Il y a le grand schisme d'Occident, on va y venir, ça c'est un événement très important. Voilà, qui a divisé la chrétienté en deux entités, la papauté de Rome et celle d'Avignon. Et puis il y a bien sûr la guerre de Cent Ans. Voilà, ça fait déjà pas mal comme programme. Ça fait déjà beaucoup. Plus un début de règne. Pour les Français du XIVe siècle. Donc, à l'opposé du XIIIe siècle, qui est un siècle de grandeur pour la France, le siècle de Saint-Louis, le siècle du gothique flamboyant, le XIVe siècle, c'est une période beaucoup plus compliquée. Et c'est ce contexte qui m'a attiré dans l'histoire, dans l'intrigue du Seigneur des Charnies, qui a trait, voilà, comme vous allez sans doute l'évoquer maintenant, au Saint-Suaire. Alors justement, avant même d'en venir au Saint-Suaire, vous avez mentionné comme ça dans la liste des fléaux, des difficultés que rencontre la France, le grand schisme d'Occident. Bon, beaucoup de gens ont un peu oublié de quoi il s'agit. Là aussi, est-ce que vous voulez nous faire une espèce de focus historique là-dessus ? Parce que vous avez dit une chose tout à fait étonnante, les gens ont oublié. Pourtant, il y a un monument en France qui rappelle ça, le Palais des Papes à Avignon. C'est qu'il y a effectivement un problème de division à l'intérieur de l'Église catholique qui aboutit au fait qu'on a deux papes. Un pape à Rome, un pape en Avignon. Comment tout ça est possible ? C'est pas le premier schisme de l'Église. L'Église en a connu beaucoup, des divisions en son sein. La plus connue, c'est la division entre finalement les patriarches d'Orient à Constantinople et l'Église apostolique de Rome. Mais ce schisme est vraiment, on l'a appelé le grand schisme d'Occident et ce n'est pas sans raison. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où la papauté commence réellement à décliner et je ne suis pas sûr qu'elle se soit remise de ce schisme. Il faut savoir qu'au début du XIVe siècle, les papes ont émigré en Avignon. Pourquoi ? Pour la raison que le roi de France, Philippe le Bel, souhaitait avoir des papes sous sa férule et que les papes de Rome lui semblaient bien trop éloignés et il avait l'impression qu'il ne pouvait pas les contrôler. C'est pour cette raison, finalement, que la papauté, sous l'influence des rois de France, s'est rapprochée du royaume de France en s'établissant dans le comtat vénitien, c'est-à-dire en Avignon. 70 ans plus tard, le concile du Vatican a élu un pape italien qui, lui, a choisi de s'établir à Rome. Je crois que c'est Urbain. C'est le pape Urbain V, le pape Urbain VI, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, c'est un pape Urbain en tout cas, parce qu'il semblait aux évêques que la destination naturelle, le lieu naturel pour s'établir quand on est pape, c'est Rome, tout simplement. Le trône de Saint-Pierre. Le trône de Saint-Pierre, le lieu où sont morts Saint-Pierre et Saint-Paul, semble voilà, naturellement prédestiné à accueillir l'Église. Évidemment, le roi de France, qui était alors Charles V, s'est insurgé
contre cette voie de fait et a fait réunir d'autres évêques qui étaient sous sa coupe, qui ont élu un nouveau pape, qui était le Robert de Genève, qui était un homme de guerre plutôt qu'un prélat. Et celui-là est devenu le pape Clément. Donc il y a eu un schisme, une division entre Rome et Avignon qui a duré plus de 40 ans, ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident. Alors on va voir, quand on va préciser l'intrigue du roman, le lien très fort que l'intrigue entretient avec cet événement historique précis. Mais je veux continuer à m'intéresser pour le moment à comment vous avez créé d'abord cette atmosphère médiévale. Donc là, on vient d'évoquer les grands événements. Mais votre roman, il est aussi passionnant, il est aussi savoureux. Parce que vous faites vivre le Moyen-Âge au quotidien, disons. Alors, un quotidien seigneurial, mais au quotidien. Et là, je voulais savoir un petit peu comment vous aviez travaillé pour un peu restituer la langue du Moyen-Âge. Il y a des tournures syntaxiques qui sont tout à fait celles qu'on trouverait si on lisait n'importe quel roman en ancien français, non pas en vieux français, comme on dit souvent. Une autre chose qui m'a beaucoup frappé dans votre roman, c'est qu'il y a beaucoup de scènes de la vie courante, comme des repas. Il y a beaucoup de choses qui sont décrites autour de la gastronomie. Les plats, les vins, les services, les fonctions aussi culinaires, les fonctions des hommes, c'est-à-dire qui fait quoi dans une cuisine. Comment vous avez travaillé pour donner corps à toute cette matière médiévale et au sens le plus courant qui soit ? J'ai évidemment beaucoup travaillé, c'est la source de documentation la plus précise sur le Moyen-Âge et à mon avis la plus fiable, en tout cas pour l'histoire politique, peut-être un peu moins l'histoire quotidienne, ce sont les chroniques. J'ai plongé dans les chroniques du XIVe siècle qui sont nombreuses, parce qu'à l'opposé de ses prédécesseurs, Charles VI, le règne de Charles VI, a cette chance qu'il est extrêmement bien documenté par les chroniques. Il y avait eu avant pour Saint-Louis Jean de Joinville, qui avait notamment documenté la croisade de Saint-Louis. Absolument. Mais pour les prédécesseurs, on avait très peu de choses. Charles VI ayant connu un règne, ayant eu un règne très long, près de 40 ans. D'à peu près 1380 à 1420, il y a plusieurs chroniques sur cette époque. Il y a Froissart, voilà, les grandes chroniques de France. Donc vous avez repris ces choses-là. Et pas seulement Froissart, bien sûr, je m'en suis beaucoup servi. Il y a le religieux de Saint-Denis aussi, qui est l'auteur d'une grande chronique sur la deuxième partie du XIVe siècle. Il y a Juvénal des Ursins un peu plus tard. Donc voilà, c'est une documentation assez exhaustive sur ce règne-là. Mais évidemment, qui documente beaucoup sur l'histoire politique, l'histoire voilà, des grands personnages. C'est ce que j'allais vous dire. Mais la vie quotidienne. La vie quotidienne. Alors la vie quotidienne, on a commencé plutôt à s'y intéresser au XXe siècle. Au XXe siècle, l'école des Annales, Jacques Le Goff. Voilà, on a des médiévistes assez considérables à partir des années 50, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. On a par exemple aujourd'hui un professeur émérite au Collège de France qui s'appelle Alain de Libera, qui a écrit un livre magnifique qui m'a beaucoup servi, qui s'appelle « Penser le Moyen-Âge ». Parce que moi, ce qui m'a vraiment intéressé avec ce roman, c'est de rentrer dans les systèmes de pensée de l'époque. Parce que certes, dans la conversation quotidienne, on parlait, comme aujourd'hui finalement, d'amour. Les sujets pouvaient être les mêmes. Les sujets qu'on a aujourd'hui au quotidien, les amourettes, finalement l'amour on de le voit, l'époque. Ouais. Les amours de l'époque, elles ne sont pas très différentes des amours d'aujourd'hui. Le sentiment amoureux existait et était aussi important. Ouais. Oui, oui, bien sûr, mais c'est l'amour courtois. Mais l'amour courtois a inventé l'amour tel qu'on le conçoit aujourd'hui. L'amour passion, il n'est pas très différent de l'amour courtois de l'époque. Et ça n'existait pas vraiment avant, cette forme d'amour passion. Donc sur l'amour, sur la camaraderie, évidemment, la bonne chair, le confort matériel, les gens, voilà, l'ambition, le voyage, on avait le même sentiment qu'aujourd'hui, vouloir découvrir des villes lointaines. Marco Polo, c'était un des plus grands best-sellers de l'époque. Le livre des merveilles. Voilà. Et l'histoire d'Outre-mer de Guillaume de Tyr aussi, c'est ceux qui traitaient des croisades, c'était un des grands romans de l'époque. Donc finalement, dans leur attitude et dans la conversation quotidienne, les hommes se comportaient un peu comme nos jeunes gens d'aujourd'hui. Il y avait un recours au merveilleux et à la religion qui plus évidemment de notre époque, dans une époque où la science a tellement d'importance, où on accorde beaucoup d'importance à la réalité plutôt qu'à la vérité, au réel finalement, les hommes ont changé. Donc c'est vraiment ça qui m'a intéressé, c'est d'entrer dans le système de pensée, dans le cœur du système de pensée d'époque. Alors quand on vous entend évoquer comment vous avez travaillé, finalement on a un peu l'impression que vous avez aussi travaillé comme un historien. Mais pourtant c'est un roman. Et la question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous croyez que le romancier il apporte à la matière historique ?
Alors, je ne sais pas si le romancier apporte à la matière historique. Ce sont les historiens qui apportent à l'histoire, il me semble, qui se documentent, qui vont aller dans les archives de diocèse ou des archives communales, bien que je sois allé moi-même dans les archives de l'évêché de Troyes, puisque mon roman se situe en Champagne, dans la petite commune de Liré, qui est à une vingtaine de kilomètres de Troyes. Et je suis également allé dans les archives d'Avignon, bien évidemment, puisque vous le disiez tout à l'heure, je parle du schisme d'Occident. Mais voilà, je ne pense pas que le romancier apporte finalement à l'histoire. Mais après, est-ce qu'il ne... finalement ne crée pas des vocations d'historien. Ça serait un apport indirect, alors ce ne serait pas vraiment l'apport dans l'œuvre. Mais dans l'œuvre, est-ce qu'il ne donne pas, en reliant finalement tout un tas d'événements, tout un tas d'éléments présentés un petit peu de manière didactique dans tous les livres dont vous avez parlé, il les met en scène en un sens et il fait revivre, ce que ne fait pas toujours l'histoire. Moi, je ne pense pas que le romancier apporte à l'histoire. Je pense que le romancier apporte au public et éclaire le public quant à son histoire. Donc il a un rôle, non pas de transmission, parce que je n'aime pas ce mot, il est assez idéologiquement chargé, mais plutôt d'éclairage. D'éclairage sur son histoire, sur ses ancêtres ou sur son identité. C'est là qu'est le rôle du romancier par rapport à l'historien, à mon avis. D'accord. Alors, dernière chose, votre roman, on vient de le dire à l'instant, il est ancré dans une terre, la terre champenoise en particulier. Pourquoi avoir choisi cette terre? Pourquoi cet endroit de la France à ce moment-là? Alors, ça ressemble un peu à une question qu'on me fait souvent, pourquoi le Moyen-Âge? Pourquoi la Champagne? Mais finalement, tout ça, c'est un concours de circonstances. Ça faisait des années que je cherchais le sujet d'un roman historique. J'ai commencé à l'âge de 20 ans à écrire des romans historiques. L'un se passait en 1934, au temps des Ligues, l'autre se passait... Ah oui, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même chose. Au moment des grandes conquêtes espagnoles en Amérique latine, peut-être que j'y reviendrai dans le futur parce que je trouve ce sujet absolument passionnant. Et là, il se trouve que j'ai eu un déclic. Mais un déclic qui vient de loin, à mon avis, en tombant sur un livre qui était parmi les archives de mon père, qui est un livre du plus grand spécialiste du Saint-Suaire, qui s'appelle Ian Wilson, qui est un grand spécialiste anglais de la saintonologie, parce qu'il faut savoir que le Saint-Suaire a sa propre discipline scientifique qui s'appelle la saintonologie. Bref, je suis tombé sur ce livre il y a 6 ou 7 ans, au moment où j'ai débuté l'écriture de ce roman, qui s'appelait tout simplement Le Saint-Suaire de Turin. Et juste en bas, en légende, sur un bandeau, il y avait écrit « C'est là le visage du Christ ». Juste au-dessus, on voyait le fameux visage. Tout le monde connaît, voilà, bien sûr, cet objet polémique. C'est ça qui s'est imprimé sur le Saint-Suaire, un objet tout à fait controversé, bien sûr, qui l'était déjà il y a 700 ans et qui continue à l'être. Et en ouvrant ce livre, en le lisant très rapidement d'ailleurs, parce que l'histoire me passionnait, ce n'est pas l'objet qui m'a stupéfait, mais c'est son histoire. Je cherchais, comme je vous le disais, depuis longtemps le sujet d'un roman historique. J'y ai trouvé un matériau extraordinaire. Bien sûr. Un contexte, comme je vous le disais, fondateur très riche, pour la France, la guerre de Cent Ans, le grand schisme d'Occident, la peste noire. Le début d'un règne, enfin bon. Une famille assez exceptionnelle, la famille de Charny, qui fut la première à posséder le Saint-Suaire, qui était une famille dévote, pieuse, tout à fait chrétienne, qui avait beaucoup fait pour les siens, pour ses sujets, pour les sujets champenois, qui avaient été largement touchés par la peste noire, avec un seigneur incroyable, Geoffroy de Charny, qui lui-même avait fait une sorte de croisade dans les années 1340, et qui, en plus de cela, était un chevalier total, spécialiste des joutes, maître de guerre, seigneur de la guerre, et qui était devenu porte-oriflamme du roi Jean le Bon, c'est-à-dire l'un des titres les plus enviés parmi la chevalerie française. Alors, Geoffroy de Charny, ce chevalier, on va y venir en précisant l'intrigue, mais donc on vient de comprendre qu'en réalité, vous n'avez pas vraiment choisi la terre champenoise, vous êtes parti d'un objet. C'est un concours de circonstances, voilà, en effet. Voilà, avait un ancrage champenois, donc il vous invite à évoquer cet endroit. Voilà. Dernière chose. Mais je me suis passionné pour la Champagne et j'y suis allé à maintes reprises. Peut-être pour d'autres raisons que vous préciserez, parce que je crois que cette terre qui est quand même, dès son nom, synonyme de vin, de vinification, ne vous est pas étrangère et étrangère à d'autres activités Elle que vous avez. Elle n'était pas inconnue, en effet. Il me semble. Alors, dernière chose pour préciser le contexte, on vient de parler d'un roi
qui n'a pas laissé dans la mémoire commune un immense souvenir. Et c'est un peu injustice parce que vous vous rappelez qu'il a quand même régné 40 ans, c'est quand même, surtout au Moyen-Âge, c'est quand même un bilan d'avoir régné 40 ans, et qui pourtant, en plus de son vivant, était un roi relativement apprécié. Ce roi, c'est Charles VI. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa personnalité à Charles VI ? Alors, vous le disiez, en effet, on se souvient de Charles VI par ses lectures d'enfants, par l'histoire telle qu'on l'enseigne à l'école, Charles VI, le roi fou. Mais il faut dire qu'il y a encore 50 ou 60 ans, Charles VI avait beaucoup plus de place dans les manuels d'histoire. Tous les écoliers le connaissaient parce qu'il avait été fou, mais parce que aussi ça a, parce qu'il a une... On l'a appelé le bien-aimé aussi. On l'a appelé le bien-aimé. Il a fait la guerre aux Flamands. Il y avait une bataille très connue qui est aujourd'hui oubliée, qui s'appelle la bataille de Rosbeck, qui avait été un triomphe pour la France, puisque les drapiers gantois s'étaient révoltés, avaient déclaré la guerre à leur compte, qui était Jean de Mal, un cousin des rois de France, vassal important. Et donc le roi de France était parti faire la guerre et avait triomphé des Gantois, des Flamands révoltés. Donc Charles VI avait beaucoup d'importance, mais on l'a aujourd'hui, c'est vrai, peu ou prou oublié. Je pense que c'est parce que Charles VI n'a pas eu forcément un effet très positif sur l'histoire de France. Il faut dire qu'au début de son règne, on sortait du règne tout à fait important de Charles V, du roi sage, qui avait eu pour connétable Bertrand du Guesclin et qui avait reconquis l'essentiel de la France. Eux ne sont pas oubliés. Au roi d'Angleterre. Non, pas tout à fait. Et Charles VII est très connu, mais pour de mauvaises raisons, parce qu'on pense qu'il a peut-être abandonné Jeanne d'Arc. Voilà. Et donc au début de son règne, la France avait été largement reconquise à l'anglais, comme on disait alors, et 40 ans plus tard, à la fin de son règne, la France avait été donnée à l'Angleterre et un nourrisson, le roi Henri, était sacré à Notre-Dame. Suite à l'infâme traité de Troyes, la France en grande partie avait été rendue à l'Angleterre. Jeanne d'Arc, évidemment, viendra reconquérir tout ce qui avait été perdu. Donc, pour cette raison, je pense que Charles VI est oublié, mais c'est une grande injustice qui lui est faite, puisqu'il a régné pendant 40 ans. C'est l'un des plus longs règnes de l'histoire de France, avec Louis XIV, avec Saint-Louis, avec d'autres très grands rois. Et puis ce roi, pour le décrire en quelques mots... Alors on va juste préciser une chose, quand on lit votre roman, on ne voit pas sur les 40 ans. En fait, on le voit au tout début plutôt de son règne, donc il est encore jeune, la folie ne l'a pas encore touché. Il est même assez drôle dans votre roman, il est facétieux. Il est un adolescent un peu mais blagueur. C'était un enfant très populaire, un adolescent très populaire qui était arrivé... très tôt aux affaires, puisque son père était mort et sa mère d'ailleurs. Il était orphelin de père et de mère à partir de 10 ans, donc on l'avait amené à Reims à l'âge de 10 ans. Et dès lors, il avait un tempérament tout à fait chevaleresque. Ce que je dis d'ailleurs dans mon roman, il me semble, peut-être pas dans le roman lui-même, peut-être pas dans l'intrigue, mais en note, c'est qu'à 12 ans, il se passionnait pour Chrétien de Troyes, il lisait l'histoire de Lancelot, et il se voyait comme un chevalier parmi les chevaliers, non pas comme un roi. Lui, je pense qu'il aurait aimé être plutôt l'un de ces grands seigneurs féodaux de son époque, plutôt que roi. Et d'ailleurs, je pense que son drame a été d'être roi plutôt que chevalier. Donc, dans mon roman, effectivement, je le décris comme un adolescent assez facétieux, mais qui est adulte avant l'heure, qui est tout à fait... imprégné par l'idée qu'il a de lui-même et l'idée d'être roi, et qui sait qu'il va devoir gouverner pendant des décennies. Il faut dire qu'à l'époque, en 1382, la France est dans la coupe réglée de ses oncles qui sont régents, Philippe le Hardi, qui est très connu, qui est resté connu dans l'histoire de France, donc souvent des profiteurs. Plus grands de Bourgogne, qui est un... Philippe de Bourgogne, lui, moins que, je crois, Jean de Berry, voilà. Qui fut donc, pendant une quinzaine d'années, le propriétaire du château de Dourdan, tout à fait. Actuellement, tout qui à lui fait. Était un grand profiteur, on s'en souvient pour ses enluminures, on a oublié qu'il a martyrisé le Languedoc, qu'il a tyrannisé le Languedoc, et qu'il... Il était détesté, hein. Beaucoup de gens lui en voulaient. Et qu'il a détourné beaucoup d'argent. Alors, on vient de poser vraiment assez complètement le cadre de votre roman, mais vous avez... tout à l'heure, un petit peu parler d'un personnage qui, lui, commence vraiment à être la réalité du roman, à savoir Geoffroy de Charny. Alors, Geoffroy de Charny, on ne le voit pas apparaître parce que quand le roman commence, il est mort. Par contre, on a son fils. Et son fils, Jacques de Charny, c'est le héros de votre roman. Lui, c'est la part inventée de votre roman, il faut le dire. Donc, quand même, le romancier fait des choses avec l'histoire. Ce Jacques de Charny,
Quel est son problème? Parce que c'est un monsieur un peu problématique au début. C'est un monsieur un peu taciturne, un peu dans une situation pas très confortable. Et vous parliez à l'instant bien du roi qui a rêvé d'être un chevalier. Mais c'est un peu aussi la problématique de Jacques de Charny, qui l'est de fait, mais qui ne s'est pas accompli. Pourquoi? Comment commence le roman? Quel est le problème que rencontre ce personnage? C'est un peu ce qui unit d'ailleurs le jeune roi de France dans mon roman avec ils vont avec très bien s'entendre, bien sûr. Il cherche à s'émanciper ou à être libre ou voilà, à s'affirmer. C'est des personnages qui sont tout à fait liés. Alors Jacques de Charny, qui est un personnage romancé, mais je me suis inspiré de Geoffroy II de Charny, qui était le fils de Geoffroy de Charny, comme je vous l'ai dit, un des grands seigneurs du Moyen-Âge, qui était parti à la croisade, un fiasco de croisade qui s'appelait l'expédition de Smyrne, qui était porte-oriflamme du roi, qui était seigneur de la guerre. Bref, un héros de son temps, comme Bertrand du Guesclin, comme Jean de Saint-Trait, comme Boussicault, voilà, comme un peu plus tard Lahire, à l'époque de Jeanne d'Arc, ces grands chevaliers du Moyen-Âge qui ont forgé notre imaginaire et notre identité. Geoffroy de Charny, c'était ce genre d'homme. Et Jacques de Charny, qui ne l'a pas connu, puisque son père est mort à la grande bataille de Poitiers en 1356, vit un peu dans son ombre. Tout à fait. Il cherche à s'affirmer en tant que seigneur, et c'est pour cette raison qu'il part à la croisade. Enfin, on ne peut pas tout à fait parler de croisade, c'est plutôt des aventures, des résurgences, des tentatives de croisades qui ont lieu 70 ans, 80 ans. Il doit aller à Jérusalem. Après les dernières croisades, il veut aller à Jérusalem. Puis alors là, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que malheureusement, la flotte qu'il conduit avec son cousin Henri de Lusignan, qui est l'un des fils cadets du roi de Chypre et qui est l'un des prétendants au royaume de Jérusalem, est sombre dans une grande tempête. Et donc finalement, Jacques revient chez lui un peu, si j'ose dire, la queue entre les jambes. Mais c'est ça. Oui. Et arrive chez lui et trouve sa maison complètement bouleversée, ce dont on parlait tout à l'heure, par l'apparition de cette relique. Dont il a entendu parler, mais qu'il n'a pas connu, le Saint-Suaire, qui est propriété de sa famille, mais qui était caché aux yeux du monde depuis des décennies. Et il arrive dans ce fief complètement bouleversé, où on ne l'a pas vraiment oublié, mais où on a fait un pas sur lui, puisqu'il est parti, voilà, 6 ans. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On va préciser 2-3 choses. Ce n'est pas quelqu'un qui est parti 5 minutes, il est parti 6 ans. Donc, on a vécu sans lui. Les femmes qui ont continué à faire tourner le domaine et... Dans la façon qu'elles ont eu de faire tourner les affaires, parce que ça ne passait pas très bien, il y a des problèmes d'argent, etc., elles trouvaient quelque chose de commercial, on peut le dire. Alors, commercial et religieux, quelle est cette chose dont on a là qu'intervient effectivement le Saint-Suaire. Jacques étant parti pour la croisade, sa croisade ayant coûté beaucoup d'argent, parce que c'est quelque chose qu'on a oublié, c'est que les croisades étaient immensément chères. Bien sûr, ils ne vivaient pas d'amour et d'eau fraîche comme dans les romans. Les croisades et la guerre de Cent Ans, ce sont les deux facteurs qui de fait, ont consumé le déclin de la chevalerie, puisqu'en devant s'équiper, en partant à la croisade, les seigneurs coûtaient beaucoup d'argent à leur sujet. Alors qu'est-ce que fait la mère? Elle fait quoi, elle, pour trouver de l'argent? Et il faut donc trouver des expédients. Et quoi de mieux à cette époque de ferveur extraordinaire qu'une relique? Quoi de mieux que le Saint-Suaire, la relique évidemment la suprême, plus sacrée, la relique suprême, la relique la plus sacrée des chrétiens, puisque c'est une relique de contact dans laquelle le Christ lui-même aurait été enveloppé après la crucifixion. Puis on le voit plus vrai que nature, bon peut-être ce n'est pas lui, mais enfin c'est vrai que quand on regarde ce Saint-Suaire, c'est tout à fait comme ça qu'on se représente. Il faut dire que ce visage est troublant, et surtout pour nous autres modernes qui l'avons vu sur les photographies de la fin du 19e siècle, puisqu'il a été le négatif du Christ est tout à fait stupéfiant. Enfin du Christ ou présumé tel, ou de l'homme martyrisé du Suaire, comme je préfère l'appeler, le crucifié du Suaire, et ce visage est tout à fait stupéfiant. Il est d'une paix criante assez, vérité. Puis il est criante vérité. Il inspire à la fois la douleur, la souffrance du martyr, et puis quelque chose d'assez transcendant, je trouve en tout cas. C'est vrai. Alors donc cette femme qui se croit s'appelle Jeanne fait ce qu'on appelle des ostensions, c'est-à-dire qu'elle présente à des pèlerins qui viennent en masse cette image contre monnaie. Voilà. C'est une histoire complètement oubliée que j'ai trouvée moi-même. Qui est vraie. Ça c'est la partie vraie du roman. Ça est exact. C'est un roman historique, mais pourquoi? Parce que je me base sur une histoire qui est tout à fait avérée, documentée, qui est l'ostension. Qui a été l'ostension, c'est-à-dire l'exposition publique, la monstration, qui a été faite par les seigneurs de Charny dans la deuxième partie du XIVe siècle. On ne sait pas vraiment comment. Ce suaire est arrivé, ce linceul est arrivé dans la main de ces grands seigneurs champenois, et ils ont commencé à l'exposer à partir de l'année 1357 et pendant 60 à 70 ans. Et ce qu'on ne sait pas, c'est comme
aujourd'hui à Turin, lorsqu'il y a une ostension du Suaire, des dizaines, voire des centaines de milliers de pèlerins sont arrivés en Champagne, dans ce petit village qui s'appelle Liret, pour se prosterner devant cette relique extraordinaire. Alors on voit qu'on est finalement avec tout ça dans une double problématique. Il y a une problématique à la fois religieuse, et puis ce n'est pas parce que c'est le Moyen-Âge que c'est épargné, on est aussi dans une problématique économique, l'air de rien. Ça compte beaucoup l'argent dans cette histoire. Et tout pourrait bien se passer, puisque finalement votre héros pourrait rentrer dans un domaine qui a été tenu, reprendre son rôle. Ça ne va pas si bien se passer parce que cette ostension, comme vous l'expliquez à l'instant, elle provoque aussi des ires et des jalousies et des reproches. Et cette fois-ci, il faudrait un petit peu parler de la figure de l'opposant qui, dans votre roman en particulier, prend très mal cette ostension et n'a aucune considération en apparence pour cette relique. Oui, c'est la personnalité de Pierre Darcy. Là aussi, c'est là où la petite histoire rejoint la grande histoire. Pierre Darcy a existé, c'est un évêque de Troyes, qui, comme son prédécesseur Henri de Poitiers, s'est opposé à l'exposition du Suaire, a même eu recours à des bulles pontificales, à chercher l'appui du pape pour faire interdire le Suaire. Pourquoi? Pour quelles raisons? Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est ce que j'ai trouvé dans les chroniques et les annales de ce temps-là. C'est que les évêques de Troyes possédaient à l'époque des reliques qui attiraient des pèlerins. Ils faisaient la même chose que Jeanne. Ils faisaient la même chose que les seigneurs de Charny. Ça existait depuis plus longtemps. Et c'est ainsi qu'ils subvenaient aux besoins de l'évêché qui un siècle plus tôt, c'était largement enrichi grâce aux foires de Champagne, mais qui à cette époque-là avait tout à fait disparu. Donc il faisait appel aux reliques. Il y avait par exemple la relique de Saint Bernard de Clairvaux, qui est le fondateur de l'ordre cistercien, ordre duquel d'ailleurs Pierre Darcy a été formé par les moines cisterciens à Clairvaux. Et il possédait le crâne de Saint Bernard de Clairvaux, donc qui était le fondateur du grand ordre cistercien et qui suscitait donc la venue de nombreux pèlerins. Il avait aussi une relique assez mineure et assez controversée qui est le plateau de la Seine, un plateau qui proviendrait du repas. C'est quand même tout à fait rêver. Du repas évangélique, ça fait tout à fait rêver. Enfin, j'ai beaucoup d'autres reliques aussi, j'en connais beaucoup d'autres qui sont tout à fait surréalistes également. Et évidemment, les chrétiens, apprenant l'existence du Saint-Suaire de Liret, se détournent des ostensions du crâne de Saint-Bernard de Clairvaux, du tibia de Saint-Malachie, un obscur Saint-Irlandais, et du plateau de la Seine, et vont tous à Liret en nombre prier devant le Saint-Suaire. Pierre Darcy s'insurge. Ça ne fait pas ses affaires, il est au bord de la faillite. Il fait donc appel au pape pour faire interdire l'ostension des seigneurs de Charny. Le pape avignonnais, bien sûr, puisque nous sommes à l'époque du schisme que j'évoquais tout à l'heure. Alors là, on vient un petit peu de poser l'intrigue, et si vous voulez, on n'en dira pas plus. On comprend bien qu'il y a tous les éléments d'un conflit, d'une lutte. On verra comment cette lutte, en lisant votre livre, s'organise. Mais maintenant, il faut dire aussi que c'est un roman foisonnant de personnages. Et on peut dire que, d'abord, on va revenir sur les personnages féminins. Parce que ces personnages féminins sont, pour un roman médiéval, on pourrait penser que les femmes sont un peu en arrière, ne comptent pas beaucoup. Ce n'est pas le cas dans votre roman. Ce sont des personnages hauts en couleur, avec de fortes personnalités, avec un rôle très important dans l'histoire. Bon, peut-être qu'on ne va pas tous les évoquer, mais en série peut-être quatre. D'abord, il y a la mère, on en a un peu parlé. C'est elle qui a fait tourner le domaine et elle garde une autorité sur son fils très forte. On va parler de Jeanne. On faudra aussi parler de la sœur un petit peu du héros, qui s'appelle Marie. D'une servante, d'une sorte de camériste qui s'appelle Florentine et qui ne laisse personne indifférent. Vous expliquerez peut-être pourquoi. Dans une moindre mesure, mais enfin, elle est aussi intéressante, surtout à la fin du roman, le personnage d'Hélène. Alors d'abord, la mère, il me semble qu'elle, elle classe tout le monde. Jeanne. Il faut dire que Jeanne de Vergy, de son vrai nom, a existé. Elle, c'est un vrai personnage. C'est la femme de Geoffroy, vraiment. On ne sait pas si Geoffroy de Charny... est à l'origine de l'ostension du Saint-Suaire. Ce qu'on sait, c'est que Jeanne de Vergy, qui était la descendante de Jeanne de Joinville, donc le mémorialiste de Saint-Louis, donc qui est issu d'une grande famille féodale, elle a décidé de l'ostendre à partir de 1357 et l'a fait pendant une trentaine d'années, jusqu'à ce que son fils, Geoffroy de Charny, reprenne le flambeau et l'expose à nouveau. Donc ce personnage a existé et je la conçois vraiment comme une femme de devoir. Une matriarche. Une matriarche.
qui a le sens de l'honneur, qui une maîtresse femme en quelque sorte. Elle répond à son fils, enfin, elle ne l'impressionne pas du tout. Hein. Elle ne se laisse pas damer le pion par les hommes de cette époque, elle fait la loi chez elle. C'est une femme de caractère qui sait tenir sa maison et qui reproche à Jacques d'être parti alors que son domaine était menacé déjà à l'époque de son départ par la faillite. Donc elle reproche beaucoup de choses à Jacques, mais je crois que c'est une mère avant toute chose et qu'elle pourrait se sacrifier pour ses enfants. C'est une femme dure, mais aimante et qui possède une grande sensibilité. Après, les autres personnages, il y a le personnage de la sœur qui est tout à fait légère et sautillante, mais qui aura un rôle assez tragique dans la deuxième partie de mon roman. Donc, j'ai pas très envie d'évoquer. Bien sûr que non, on va pas rentrer l'évolution dans qu'elle va connaître. Il y a Florentine de Buire-en-Bois, qui a une histoire. Pas drôle au début, mais qui va réussir finalement à trouver sa voie qu'elle cherche puisqu'elle est bâtarde finalement, on va le découvrir aussi, qui est quelque chose de très difficile à porter à cette époque puisqu'elle est le fruit des amours d'un seigneur de Buire-en-Bois qui a été tué par une chevauchée du prince noir qui était un prince anglais qui a terrorisé la France de l'époque et d'une italienne qui était sa gouvernante. Mais elle apporte aussi dans tout ce Moyen-Âge masculin, militaire, de conflits, choses un peu dures comme ça, elle apporte aussi une certaine... Il y a plusieurs épisodes sensuels grâce à elle dans le roman. Oui, écoutez, c'est la vie. Je ne pense pas qu'on puisse... Non, mais je veux dire, est-ce qu'en termes de romancier, vous avez essayé un petit peu, en donnant cet aspect-là au personnage, de contrebalancer, est-ce qu'il y a une espèce de réflexion romanesque pour essayer de contrebalancer... Bon, la dureté, mais enfin, disons, le côté un peu viril aussi du roman. Est-ce qu'il y a aussi cet aspect sensuel qui vient équilibrer dans la lecture cette atmosphère toujours de combat, d'épée masculine? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Oui, mais le Moyen-Âge, c'est vrai qu'on... Enfin, cette partie du Moyen-Âge, on le résume facilement aux chevaliers, aux cuirasses, aux palefrois, aux destriers, aux oriflammes, etc. Il laisse cette image. Mais ce n'est pas que ça, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les gens de l'époque se comportaient comme nous. Il n'y a pas de raison, l'homme ne change pas. Les structures, la religion, l'appel au merveilleux changent évidemment, mais l'homme au fond de lui, l'homme et la femme, je ne pense pas qu'ils changent. La femme de l'époque est dans un carcan, mais elle est en quête d'émancipation et... le seul lieu d'émancipation, de liberté pour elle, c'est le foyer. Donc il me semblait évident qu'il fallait contextualiser mes héros dans leur foyer pour leur donner toute leur vérité. D'accord. Alors, juste une chose, je voulais vous poser une question supplémentaire sur Darcy, qui est pareil, un des personnages les plus intrigants du roman. Bon, on lui a fait un sort un peu sévère en le présentant comme ça, comme l'opposant, comme l'ennemi. Mais c'est un personnage aussi plus complexe humainement. Est-ce qu'il n'a pas aussi quelques qualités, ce Pierre Darcy? Est-ce qu'on n'a pas dit ses qualités? Effectivement, on peut le voir au début du roman comme un procureur implacable qui excommunie les seigneurs de Charny en disant que leur relique est une forgerie, que ce sont des seigneurs diaboliques. Il fait appel au pape, il semble un peu le procureur implacable, peut-être un peu à la manière d'un Frollo dans Notre-Dame de Paris finalement. Mais ce n'est pas que ça. Il n'est pas manichéen, Il n'est pas manichéen, il sait qu'il est le jouet de quelque chose qui le dépasse. D'ailleurs, au fur et à mesure du roman, il est tourmenté par le fait d'être un peu... Il se sent un peu comme une marionnette, finalement. Et il se pose beaucoup de questions, il est proie au questionnement, comme un peu tous mes personnages. Le doute l'humanise, alors. Voilà, le doute... Je crois qu'on se rend compte, dans la dernière partie du roman, qu'il n'a pas un seul versant. Et c'est ce que j'essaye d'ailleurs de faire avec tous mes personnages. J'essaye de les faire évoluer, de les nuancer au maximum, de les humaniser, bien sûr. Bon, après, tous les romanciers disent qu'ils cherchent chez leur héros la part une d'humanité, part d'humanité, oui. Bien évidemment. Mais j'essaye de ne pas juger mes personnages, si vous voulez.
j'essaye de leur donner plusieurs côtés. Et c'est comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs. J'essaye de ne pas juger les gens. C'est peut-être la plus grande leçon d'humanisme que m'a donné mon père. C'est de ne pas juger les gens a priori. De toujours imaginer qu'ils sont infiniment complexes. Mais alors, ce personnage qui participe de la série masculine, il est aussi à côté d'autres personnages masculins intéressants qui sont les amis, en fait, du seigneur de Charny, à savoir, alors, vous m'avez dit que vous le prononciez Miles. Je l'appelle Miles. Moi, j'ai dit il n'y a Miles. Pas de prononciation particulière, d'accord. Ce prénom n'existe plus. Miles. Il s'appelle Miles. Et d'un autre ami à lui qui s'appelle, ce qui aura un destin qui ne sera pas drôle non plus, quel est l'autre ami du seigneur de Charny? Qui s'appelle Arnaud de Thouars. Voilà, Arnaud de Thouars. Alors, quels sont un peu les archétypes? Voilà. Peut-être. Miles, si on le lit, moi je sais pas, je vais vous dire, j'ai pensé à un acteur en le lisant, je sais pas si vous avez... Oh, écoutez, j'ai pensé à Gérard Depardieu, voilà. Ah oui, c'est une espèce de masse un peu de ça. Comme ça. Il y a un peu de ça. Qui à table mange pour quatre, voilà. Et en réclame encore, oui. Qui a une force extraordinaire et qui oui. sera brave. C'est un colosse. Jusqu'à la fin. C'est quoi un peu ses amis? C'est quoi un colosse. Leur caractère? Alors, voilà, tout comme Pierre Darcy, l'évêque de Troyes, n'est pas Frollo. Et n'est pas simplement un procureur implacable de la chrétienté. Eux aussi ont leur nuance. Miles de la Roche, par exemple, qui est voilà, le titan, le colosse, un peu le Porthos, pour le résumer. Porthos, aussi, c'est bien, oui, voilà, c'est vrai. Lui aussi a ses nuances. Certes, il brûle sa vie par les deux bouts, évidemment. C'est un pur jouisseur. Il aime les femmes, il aime la faire chair, il aime la fête. C'est un osseur. Mais il possède, une immense sensibilité. L'amitié, c'est tout. C'est un aventurier aussi, mais par ailleurs il a un côté casanier, il aime être sur ses terres, profiter de sa vie de seigneur paysan. C'est un des personnages les plus sympathiques du roman. J'y suis très attaché également, voilà, et d'après ce que je comprends, les lecteurs aussi. Après il y a le troisième personnage, le deuxième ami de Jacques, qui est Arnaud de Thouars, qui lui aussi peut... Plus romantique, lui, ce serait Aramis, alors, si on le rapportait au mousquetaire. Si on veut effectivement en faire un archétype, c'est le séducteur, le grand amateur de femmes, qui a de multiples maîtresses. On peut le caricaturer de la sorte, mais ce dont on se rend compte à la lecture, c'est que c'est quelqu'un d'une grande culture. Bien qu'il soit autodidacte, il rêvait d'aller à l'université. Ses finances ne l'ont pas permis. Il s'est formé, par conséquent, à la philosophie, à la scolastique. Il a lu Guillaume d'Ockham, Abélard, Buridan, Albert le Grand, tous les grands philosophes de la scolastique du Moyen-Âge. Il croit encore en ses chances d'accéder à l'Université de Paris. Donc c'est là aussi, je crois, un personnage que j'ai essayé de rendre complexe et qu'on ne peut pas résumer à son simple archétype de séducteur. D'accord. Alors, vous touchez à un point essentiel de la création romanesque, qui est la création du personnage. Est-ce que vous avez une formule, une méthode de travail? Comment créez-vous des personnages? J'ai pas de bible des personnages. Je crois que Dumas en avait pour ses personnages. Balzac, bien sûr, évidemment. Vous ne faites pas des fiches comme ça? Bien sûr. Évidemment, j'ai noté, dès que je parlais d'un personnage, je notais ça sur un bout de papier quelque part. Une espèce de biographie pour ne pas faire, évidemment, de confusion. Il faut dire qu'aussi, aujourd'hui, on a eu un outil formidable qui est le traitement de texte, qui permet de taper le nom d'un personnage et de revenir automatiquement à une allusion qui a été faite de ce personnage plus tôt dans le roman. Donc les confusions sont difficiles. Mais pour construire mes personnages, pour l'aspect physique, tout d'abord, parce que... C'est comme ça qu'il commence dans votre esprit? Dans mon esprit, je les vois... Pour moi, il y a un lien assez étroit entre le physique et la psychologie. Vous ne croyez quand même pas à la physiognomonie? Je n'y crois pas, mais... Je trouve cela tout à fait utile, et notamment pour le lecteur, puisque je pense qu'on peut rattraper, pour le lecteur en tout cas, on peut frapper l'imaginaire du caractère avec des traits physiques ou physiologiques,
et se faire une idée du caractère du personnage à partir de ses traits, d'une coiffure par exemple, ou d'une dégaine, d'un habit en particulier, d'une façon de qui marcher. Qui va dire quelque chose. Qui veut dire quelque chose, qui signifie quelque chose et qui est tout à fait parlant. Et un auteur qui m'a beaucoup marqué à ce titre, c'est Jeanne Bourin. Oui, qui les Pérégrines, toutes ces choses-là. Voilà, fait des ou sagas, La Chambre des Dames, par exemple, qui avec des descriptions extraordinaires marquaient tout à fait l'imaginaire du lecteur. Et pour ces héros du Moyen-Âge, ça m'a beaucoup servi. Donc voilà, pour la construction du personnage, je pars du physique. Et évidemment, après, j'imagine l'histoire du personnage, ce qu'il a pu vivre, en les contextualisant, évidemment, dans l'histoire avec un grand H. D'accord. Alors, le roman se termine pas exactement par un happy end, ou une happy end, mais par ce qu'on pourrait appeler le repos du guerrier, mais qui dit repos dit réveil à un moment donné. Et j'ai eu l'impression que votre fin, elle était ambiguë du point de vue de la création romanesque parce qu'elle pouvait appeler une suite. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux ? Alors oui, à la fin de mon roman, il y a ce que les scénaristes de séries actuellement, alors là, on n'est plus du tout dans le Moyen-Âge, quoique Game of Thrones... Mais oui, on voit ce goût du Moyen-Âge avec puisque ça. Puisque l'auteur de Game of Thrones s'est inspiré de Maurice Druon, il l'a dit lui-même, et grâce à Game of Thrones, je vous l'apprendrai peut-être, Les Rois Maudits est un best-seller aux États-Unis alors qu'il était passé totalement inaperçu dans les années 50 et 60. Extraordinaire. Incroyable, la carrière... Le destin, bien sûr. Le destin de ce roman, qui évidemment est un de mes livres de chevet. Donc il y a à la fin de mon roman, voilà ce terme tout à fait anglo-saxon qui s'appelle un cliffhanger et où je laisse entreapercevoir une suite au Seigneur de Charny et je peux annoncer à vos spectateurs et qui sont, j'espère, mes futurs lecteurs que je l'écris actuellement et qu'elle sortira l'année prochaine. Bien écoutez, Laurent Decaux, merci beaucoup de votre venue sur le plateau de l'Essonne en auteur, on le répète une fois de plus, mais installé dans le royal et féodal château d'Ourdan. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Seigneur de Charny, aux éditions IXO, édition très dynamique et que nous aimons beaucoup. Nous lui souhaitons donc longue vie, puisque nous comprenons qu'il y aura d'autres épisodes à sa vie. Il ne meurt pas à la fin, on peut le dire à nos spectateurs. Et donc, nous attendons impatiemment la suite. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de L'Essonne en auteur.